par lui, soit on va essayer de choper Moi, je une veux mouette bien les, pour le je veux bien ramener les à mots. Christopher. Moi, je veux bien les Comment ça? manger. Je veux bien les Oui, mais, manger, les mais. pigeons, mais je veux pas être mangé par eux. Oui, mais comment Non, ça se on fait que les mange pas, mouettes. personne mange personne. On n'a qu'à trouver du matériel. Il nous Comment faut ça au se fait moins que les quelque mouettes, chose pour choper elles une les ont mouette, quoi. attaquées, eux et pas On va nous. pas choper une mouette, on va se faire attaquer. Ils sont en groupe. Mais ce que je On pige pas, fait un c'est pourquoi piège. eux et pas nous? Bah parce qu'on devient des super-héros. Bah, ils étaient juste devant nous, ça aurait très bien pu être nous si les mouettes arrivaient de l'autre côté. On a des super-héros, non? C'est Bah quoi oui, ça? regarde, les mouettes, elles nous ont défendus. On Ouais. contrôle le. Moi, je me fierais plus à Socrate pour me défendre. D'ailleurs, Socrate, il se régale avec la saucisse. La Charlie, c'est toi qui l'as Ah fait oui, tomber. là, il a fini la saucisse. Il attend Ouais, la, la, il a, elle a il... pas été perdue pour tout le monde, la saucisse. Oui, il en attend une autre. Il a rouf, rouf. Moi, Il je lui attend donne le la. reste de mon truc que j'ai pas fini, moi. Il attend la prochaine maladresse. Ouais, c'est ça. Du coup, bah, vous vous dirigez vers. Je vais vous remettre la map. Vers chez Donald Dixon. Ouais. Ouais. Donc vous retraversez Boulder City. Vous passez par Enway Park, vous voyez ce parc. Et en fait, en passant devant le parc, ouais, quelques dizaines de mètres de vous, vous voyez pareil, un grand groupe de mouettes très agressives qui se rassemblent vraiment sur le terrain de jeu. Et vous voyez des enfants qui courent s'abriter dans les maisons à côté. Ils sont de suite attaqués en fait. Et vous voyez des volatiles qui les suivent et qui s'introduisent ouais, par les fenêtres ouvertes, par les cheminées. Et ils sont en train de blesser tout un tas de personnes. Vous pédalez à toute vitesse pour essayer elles vous ont pas vu, donc c'est quand même à plusieurs dizaines de mètres. Mais vous voyez une scène surréaliste, quoi. En pédalant, vous découvrez avec horreur bah, une jeune fille d'une vingtaine d'années qui semble en très mauvaise posture. Il y a les mouettes qui sont hostiles avec elle. Il y a une mouette qui lui enfonce son bec dans l'œil. Elle s'écroule maladroitement sur le bas-côté. Et il y a une cinquantaine de volatiles qui viennent couvrir son corps tout en piaillant. Ah non, non, moi je vais l'aider. Hein. Ah non, non, il y en a 50, il y en a Ah, tu vois, 50. elles sont Oh. très Non, agressives. non, mais c'est Je te mort. retiens par le bras, là, je te retiens par Non, le bras, je te laisse pas partir. Vous voyez, vous entendez les cris de cette fille malheureuse et au bout d'un moment, vous n'entendez plus rien. Mais on va pas la laisser comme ça. Elle va se faire bouffer! Mais non, Putain! je te retiens par le bras. Ils sont trop. Non, mais On moi je n'est prends plus mon steak petit et qu'elle, on va se faire je. bouffer. Il faut qu'on y aille. Il y a un Faut grand qu'on aille groupe toucher d'oiseaux le qui commence à se mouton. diriger vers vous en fait. Vous Oh, restez allez, là, on y va. vous êtes sur place et il y a une vingtaine de mouettes, peut-être avec d'autres oiseaux qui semblent ouais, se diriger très très vite sur vous. Est-ce qu'il y a un bâtiment à proximité? Là, vous êtes sur la route, vous avez traversé, vous voyez un peut-être ouais un peu plus loin sur une vingtaine, trentaine de mètres, quoi. Il faut que vous pédaliez et vous arriviez à Ouais, moi je temps. Allez, pédale, on y hein. va. Je pédale Moi aussi. et j'ai mon chien qui court à côté de moi. Allez, Socrate. Je me remets en route avec Charlie, moi. Allez. Vous pédalez, vous arrivez, ouais, c'est une sorte de préau avec un Porsche, quoi, et vous sautez, vous jetez vos vélos et vous mettez sous le Porsche comme ça, et vous refermez cette porte, et vous voyez les mouettes qui. Pareil, elle pique, ça tape sur la vitre, vous êtes obligé de boucher les oreilles, ça fait une caisse de résonance dans ce lieu. Il y en a de plus en plus qui arrivent, qui tapent. Vous voyez qu'elles sont acharnées, vous êtes complètement paniqué. Que J'ai faites-vous? peur. Déjà, moi je commence par ranger Lookup dans la poche intérieure de mon veston que j'ai exprès pour la mettre à l'abri. Moi je prends un mandat devant mes bras pour la calmer. Moi, je regarde si la porte elle est bien bloquée.
Ça va, les mouettes elles font pas des... Non, elles bougent pas la porte pour l'instant, la vie tienne, mais vous voyez qu'elle continue et puis il y en a d'autres qui arrivent, ça arrive. En fait, vous voyez que des mouettes. Vous voyez, c'est quand même un peu comme, je sais pas, ça doit faire 3 mètres sur 2 mètres à peu près. Et vous voyez que des mouettes, c'est que du verre, vous voyez que des mouettes en train de passer sur le verre et vous êtes là un peu dans cet endroit, en fait, il n'y a aucune issue, il y a vraiment une sorte de porche, mais il y a une porte d'entrée mais qui est fermée et du coup vous êtes, vous attendez. Il n'y a pas quelque chose de... C'est quoi, c'est un gymnase? Qui veut servir d'arme? Non, c'est une maison avec un porche et après t'as une porte mais fermée. Voilà, il y a une espèce de... Ouais, vous commencez vraiment à paniquer et au bout d'un moment, bah, tous les oiseaux s'envolent et tout tombe. Vous remarquez sur le verre des traces de bec comme si le verre avait été creusé. Mais pourquoi elles font ça? Je propose qu'on attende. Enfin, on va attendre un peu là avant de rouvrir. Vous regardez, vous voyez des gens courir un peu, qui un peu dans toute la rue, en train de crier. Vous êtes un peu sous le choc de ce qui est en train de se passer. Je regarde à travers la fenêtre, là, est-ce qu'on voit des mouettes par terre ou est-ce qu'elles sont toutes envolées? T'en vois, ouais, tu vois 2-3 mouettes par terre. Ont été peut-être. C'est pareil, c'est des mouettes avec une espèce d'antenne. Du coup, de loin, tu vois pas là. Vous êtes resté sous le porche. On voit pas trop de loin, quoi. Est-ce que vous sortez? Il y a quelque chose qu'on peut récupérer dans le bordel ou il y a rien du tout? Genre, je sais, je cherche pour se protéger ou des petits bâtons, des trucs comme ça. Il y a un couvercle de poubelle. Il y a une molette. Il y a un seau avec une serpillière. Un tournevis. on prend tout ce qu'il faut pour se protéger au moins la tête. Ouais. Très bien. Tout ce qui est genre couvercle ou seau ou n'importe, on se le met sur la tronche pour éviter de soir. Ouais, vous voyez, il y a des coussins, vous attachez un peu des coussins en mode guerrier dans votre imagination. Et du coup, vous sortez. On regarde donc les. Je vais regarder un peu à quoi ressemblent les mouettes par terre, là, si elles ont une espèce d'antenne aussi. En fait, t'approches et tu vois une jeune femme un peu au loin, voilà, à plusieurs centaines de mètres, qui a l'air d'observer les oiseaux avec des jumelles. Et elle se retourne vers toi et puis elle se met sur son vélo et elle part. Elle ressemble à quoi? Moi, c'est une blondinette un peu plus âgée que vous. Plus âgée comment? Ouais, de 3 ans de plus que 3-4 ans de plus que vous. Vous voyez qu'elle se dirige vers le nord. C'est la seule personne que vous voyez. En fait. On l'a déjà vue? Non, vous l'avez jamais vue. Moi, je l'ai jamais vue. Non, ça vous dit rien. Vous l'avez jamais vue. Même si je connais du monde. La première fois que vous la voyez dans Boulder City. En fait, tu t'approches de la mouette et tu vois pareil, cette cicatrice et ce léger fil qui dépasse. Je vais prendre mon couteau suisse et je vais retirer l'antenne. Très bien. Vous voyez personne. Juste cette fille au loin qui disparaît avec la colline qui... Elle a passé une colline et sur la route et disparaît. Que faites-vous? Est-ce qu'il y a un d'entre nous en téléphone ou pas? Bah non. Non, je ne peux pas le demander. Bah non, on est en 83. Bah ouais. Pardon, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai un Tokiwoki, mais je pense pas qu'on va pouvoir contacter. Non. Tokiwoki? Avec ta sœur, vous pouvez vous parler. Ouais. Tokiwoki. Allô, t'es là? Oui, je suis à côté de toi. Il faudrait qu'on trouve de l'aide pour la jeune fille qu'on avait plus sur la route. Elle est partie en vélo. Hein. Ah oui, elle est partie en vélo. Sais, mais... Elle est partie vers le nord. Ouais, mais... Alors,
si vous vous enlevez un peu tout votre attirail, vous pouvez peut-être commencer à partir pour la rattraper. Mais après, il va falloir pédaler vite. Moi, on va pas voir Donald Dixon. Bah, elle est partie en plus dans cette direction, quoi. Allons-y. Ça veut dire qu'il faut qu'on repasse chez Connor pour prendre les pigeons. Non. Bah non, on a la moitié. Je viens de récupérer en tête. Non, ils vont pas bouger de toute façon, les pigeons morts. Il faudra les enterrer alors. Et du coup, vous prenez la direction de cette baraque, quoi. L'adresse qu'on vous a donnée. Là, il est. Vous êtes resté un moment quand même. Hein. Il doit être 16h, 16h30. Hein. Vous êtes resté un moment sous le porche. Ça vous a pris du temps. Donc, du coup, ça vous a quand même bien bougé. Hein. Vous rappelle que vous êtes. Vous n'êtes pas des super-héros. Hein. Vous êtes des enfants. Hein. Donc, Il fait noir à quelle heure normalement vers quelle heure le soleil se couche vers. Tard, vu. Vers 21h. Après, c'est l'habitude ici, beaucoup de gens sortent la nuit. Hein, mais vous avez quand même 12-13 ans. Donc, On n'irait pas chercher quelque chose, par exemple une petite batte de baseball ou quelque chose avant de... Moi, j'en ai pas. Moi non plus. Moi, je peux trouver ça, mais j'en ai pas chez moi. Parce que là, c'est dangereux si on se refait attaquer sur la route et qu'il n'y ait pas d'autre endroit où s'abriter. Qu'est-ce qu'on peut prendre Il faudrait des casques, des vrais. Vous avez pas des casques vous pour le vélo les filles? Et moi j'ai un casque de moto chez moi qui traîne. Moi je dois en avoir deux peut-être. Mais pas plus. Les casques de vélo c'était pas la tendance de l'époque. Je crois pas que dans les années 80 il y avait tellement des casques de vélo. Il y en avait peut-être après les matériels. Par contre, il y en a peut-être certains qui ont des casques de type casque de baseball. Le roller, ça existait dans les années 80, donc il y a forcément des casques. Casque de baseball, oui, ça par contre, il y a beaucoup de gens qui en ont. Hein. Ouais, mais bon, la fille tout à l'heure, elle s'est fait crever un œil. Le casque, il va pas nous servir à grand chose. Hein. Ah, un peu quand même. Encore. Moi, je propose justement qu'on aille dire à papa ce qui est en train de se passer. Hein. Je te parie qu'il est au courant de quelque chose. Ouais, j'ai pas envie de m'aventurer sans savoir que je puisse me défendre ou non. Après, non, vous pouvez téléphoner, il y a des cabines téléphoniques. C'est comme ça que ça se fait à l'époque. Hein. Je vais aller dans une petite cabine alors. Et là, c'est un TARDIS. C'est confiant. En plus, c'est un poste de police de base. Non, je disais c'était un TARDIS. Ouais, voilà. Du coup, t'arrives à une cabine téléphonique. Ça sonne. Allô ? Papa ? Oui. Pourquoi qu'est-ce qui t'arrive ? On a un petit problème là. On est en ville et les oiseaux deviennent fous. Les oiseaux deviennent fous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Il y a des gens qui se sont fait attaquer. On s'est fait attaquer aussi. Écoute Amanda, j'ai pas vraiment le temps de jouer à tes blagues. Là. Je plaisante pas, papa, je plaisante oui, pas. Oui, oui, c'est comme la dernière fois avec le chat du voisin ou l'autre fois avec le. Non, mais j'ai beaucoup de travail, Amanda, ma chérie, mais on en reparle ce soir, ça te va? Ouais, si je suis pas là ce soir, hein, papa, hein? Amanda, où est Laïa d'ailleurs? Elle est avec donne-moi toi. Le téléphone. Donne-moi le téléphone. Je te donne le téléphone. Oui, papa, oui. Laïa, c'est quoi cette histoire? C'est toi qui dis à ta soeur? Alors, en fait, pas grand chose. Au départ, on se baladait un peu en ville avec les copains et on a découvert des mouettes qui étaient en train de manger des pigeons. Et des pigeons, enfin, certains des pigeons ont des sortes d'antennes. Mais les filles, non, s'il vous papa, plaît. Non, mais c'est j'ai sur les trop photos, de boulot c'est là. C'est comme sur les photos de ton bureau, papa. C'est comme sur les photos de ton bureau. Je suis sûre d'avoir déjà vu des antennes sur ces pigeons. Oui, il faut arrêter de venir dans mon bureau. Peut-être regarder et vous me raconterez peut-être pas ce genre d'histoire. Mais c'est quoi? Il y a des mouettes qui nous ont attaqués. On était obligés de se cacher dans une. Non, mais tu te rends compte de ce que t'es en train de me faire perdre comme temps là Non, mais je. Papa, s'il te plaît. Je commence à crier pour qu'ils l'entendent quand même à travers le téléphone. Non, mais de toute façon, ils nous aiment pas, ils s'en fichent de ce qu'on dit.
Bon, juste pour te tenir au courant, parce que tu nous écoutes pas, on va voir un monsieur Non, mais qui quel monsieur? Mais s'appelle. c'est quoi cette histoire, les filles? Vous rentrez à la Mais on maison va voir maintenant. Vous Donald rentrez à la Dixon, on te maison. laisse, Non, hein? vous Tu nous rentrez à la écoutes pas. maison. Allez. Salut, je raccroche Laïa! le fil, je le raccroche au nez. Bon, allez hop, on y va, hein. C'est pas grave, on reviendra plus tard. Je crois que vous vous êtes attiré des ennuis. Ah, bon, on l'a prévenu, il nous Enfin, écoute jamais, de toute on façon. travaille tellement qu'il va oublier de nous punir après, donc. En train de dormir sur ses feuilles quand on rentrera pour aller choper des informations. Bon, Mais sera même plus là sûrement, donc. Bon, Vous entendez le téléphone sonner. Il arrive à rappeler la cabine? Ouais, comment il fait? Bah, on décroche du coup. Décroche, on est toutes les deux sur le combiné, quoi. Allô? Allô? Allô, Emma, t'es Allô? là? Hein? Allô? Non? Emma? Ouais? Allô? Emma? Ouais? Non? Ah, je me suis trompé de numéro. Et ça raccroche. C'est qui? C'est qui? Zion Il a dit Cré, quoi? Zion Cré. Ça ressemble à nos blagues au télé... Ça ressemble à nos blagues au Ouais, c'est téléphone, ça, vous ça, êtes fait monsieur. blaguer, voilà. Tu m'as pranké jusqu'au bout, hein. On s'est fait avoir. Du coup, voilà, vous êtes à cette cabine. Toi, Charlie, bah, t'as pas vraiment mangé, donc tu commences un peu à avoir faim. T'as juste grignoté la moitié de ton hot dog. Que Ouais, faites-vous? j'avais une. Il J'ai est. toujours un truc à grignoter sur moi, du coup je lui sors une barre de chocolat de ma poche et je lui donne. Très bien, t'es en train de manger cette collation. Il est environ 17h30 maintenant. Bon, on va voir Monsieur Dixon, moi j'ai plein de trucs à lui demander, hein. Ça peut être dangereux. Oh, il faut faire attention parce que moi je dois rentrer chez Céline pour le dîner, donc il faut pas que je rentre trop tard parce que elle va me faire des lasagnes. D'accord. C'était quoi ton horaire maximum? D'habitude, elle dîne à 20h. Ah. On a encore 3 heures. Et le temps de rentrer chez toi, il y a combien de temps de route à peu près? Ouais, on n'irait pas à la police? Parce que là, il y a des gens qui se sont fait attaquer. La police doit être au courant, quoi. Police, mais tu crois qu'ils vont nous croire? Mais j'ai pas dit qu'on allait leur dire l'histoire, mais dire qu'on s'est fait attaquer et qu'il y a d'autres gens qui se sont fait attaquer, ils doivent savoir des petites choses. Et souvent, les policiers sont un peu trop bavards, donc on peut peut-être apprendre des choses sans trop leur demander, quoi. Moi, le Ça va être la commissariat, ce crevette. sera sans moi. Tu pourras rester à l'extérieur. Ouais, t'as Mais qu'à ce serait bien surveiller les d'être un vélos peu... et les skateboards. Ce sera Bah, bien moi, je vais d'être un rester peu loin. informé, quoi. On va faire comme ça, mais je pense qu'avant de s'aventurer, ce serait mieux quand même de se renseigner, quoi. Moi, je vois pas ce que les filles qui pourraient nous dire. C'est vrai. Il faudrait qu'on aille voir Monsieur Dixon. Hein. C'est vraiment grave si t'arrives en retard. C'est la 5, Bah, hein. je vais l'appeler. Comme ça, je vais lui demander. Alors, Vas-y. t'appelles Bah, du du coup, je me coup dirais. Madame Darcy, Céline. Oui. Très bien. Allô? Oui, c'est Charlie. Ah, Charlie. Ça va, Je t'as... voulais sa Oui? je voulais savoir à quelle heure on mangeait ce soir. Oh, bah, comme d'habitude, Mike, il a son entraînement, donc normalement, oui, 21h. D'accord. 21h. J'ai tes parents qui m'ont appelé, ils voulaient avoir des nouvelles de toi, donc il m'a dit qu'il Ah. rappellerait, oui, vers 22h, donc... Oh oui, bah peut-être que je serai déjà en train de dormir. Bon, ben Charlie, écoute, hein, de toute façon, ils rentrent demain, hein, d'après ce qu'ils m'ont dit. Hein, ils seront là demain. T'as rangé chez toi quand même. Oui? Bon, ben c'est bien. Ben écoute, je Un t'attends petit pour peu. 21h. T'es toujours d'accord? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Et t'es où là? Je suis dans le centre-ville, j'ai mangé un hot dog. D'accord. Ok. Bon, ben fais attention, hein. Et dis, regarde dans le jardin, tu vois pas des animaux un peu bizarres? Pardon, des Est-ce animaux que bizarres? tes poules, elles se comportent bizarrement? Tu vois, tu l'entends marcher un peu chez elle.
Non, je vois rien à première vue. Pourquoi tu me poses cette question? Non, je te conseille juste de fermer tes fenêtres. Attends, tu m'inquiètes, Charlie, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, t'inquiète pas. On va faire flipper du tout. Tu dois me méfier de quelque chose ou... Comment? Tu dois me soucier de quelque chose? Non, j'ai juste lu que en ce moment il y avait beaucoup de moustiques et que c'était des nouveaux moustiques, des très gros moustiques qui viennent des tropiques et du coup eh ben ils piquent très très fort et ça fait des gros boutons et moi j'aime pas les gros boutons alors ouais, comme ça il faut fermer. T'inquiète, j'ai tout ce qu'il faut pour les moustiques, Charlie, ici. On est habitué avec le lac Mead qui est à côté, on est tous équipés. T'auras pas de problème de moustiques ce soir, tu pourras venir tranquille. Zo. Au revoir Céline. Et okay, je Charlie. Du coup, c'est bon, jusqu'à 21h, ça va aller? Bah si on y va maintenant, oui. Non, j'ai pas confiance okay. Aller. Mais si, allez. Il pourrait mal se passer. Bah, se faire attaquer encore une fois. Mais mon chien va nous protéger. Bah d'accord, on y va alors. Du coup... Il va aller bouffer les oiseaux, mon chien. Et sans les cuisiner. Cru. Et puis toi, Amanda, t'as ta sœur pour te protéger aussi. Bah, elle est pas surhumaine, ma sœur. Si, elle a dit qu'elle c'était un ninja. C'est ça qu'elle a dit, non? Ninja. Tu me vois imiter un peu un ninja en mode au beau milieu du trottoir, tu sais, en mode. Ah, on prend tes mots, c'est toi ce qu'elle dit, ça. Du coup, vous arrivez devant cette adresse, quoi. Je vais vous transférer, hop. Qu'est-ce que vous voyez là, sur la map? Vous voyez juste la maison avec les trois tours derrière? Ouais, j'en vois deux des tours, mais oui. Si, j'en vois que deux des tours. Ouais, je croyais qu'il y en avait deux. Ouais. En fait, ouais, vous vous rapprochez de cette petite demeure, quoi. Bon, là vous voyez le quartier, vous voyez pas la maison parce que la maison que l'adresse indiquait, il y a un étage en fait. Et ouais, aux briques jaunes et aux tuiles rouges, tout est éteint, tout a l'air éteint. Il y a de nombreux sacs poubelles à l'entrée de la maison et le jardin semble ne pas être vraiment aussi entretenu comme chez Boyd depuis pas mal de temps. C'est toujours comme ça chez les spécialistes des oiseaux. Ouais, ils sont un peu tête en l'air. Ils ont une cervelle de moineau. Que faites-vous? Vous êtes devant cette maison. On trouve personne dans la maison alors? Là, vous voyez personne, à première vue. C'est tout éteint. Vous êtes à l'extérieur, hein, vous êtes à l'extérieur de la maison, vous êtes en train de regarder à droite à gauche, tout est éteint. On peut sonner? Ah, vous pouvez frapper. Peut-être regarder un peu par les fenêtres sans se faire voir avant. Vous regardez, vous ne voyez rien. Rien de spécial. Est-ce que c'est écrit déjà que c'est chez Dixon sur la boîte? Ouais, il y a son nom, il y a bien son nom. Ouais. Vas-y, ouais, Connor, frappe. Je m'approche de la porte et je fais ninja en donnant des petits coups avec mes mains, tu sais, genre en mode sur la porte. Vous voyez que je frappe à la porte, quoi. Ouais, Laïa, calme. Vous voyez que la porte est ouverte. Ok. Bon, donc la porte s'ouvre. Ouais. Monsieur Dixon. Monsieur Dixon. Ou pas ninja. Ça répond pas. Alors, je vais vous mettre la battle map. Non. Comment ça, la battle map? Il y a quelqu'un là-dedans. C'est bon. Non, pas une battle map, s'il te plaît. Un plan. Bon, bah, on fait demi-tour, hein. T'as sur le moment, sur l'image, j'ai cru que c'était les personnes, enfin dans le fond, les trucs de la guerre des mondes, j'ai eu peur. Ça a vraiment un côté c'est cyberpunk. Volante. Oh, il y a quelqu'un. Bah, je vous ai bien mis sur la main. Monsieur. Ça, ouais. Oui. J'attendais votre réaction. Mais... Ah oui, mais la battle map, elle est en bas à droite, pardon. Hein? Oui. Arrêtez d'appeler ça une map. Ah, okay, c'est juste un pouvoir. Ah, mais elle est là. Mais je l'avais pas vu qu'il y avait une map. C'est vous remarquez à partir du moment où vous rentrez que tout est sale et en désordre. Il y a mais des... sale comment? On voit du sang ou... Non, il y a beaucoup de crasse. Il y a des
Ouais, il y a les fientes d'oiseaux. Les fientes d'oiseaux. Soirées clandestines, là, non, on dirait pas qu'il les fientes d'oiseaux, mais il y a du désordre, ouais, des câbles, il y a des outils, il y a pas mal de choses éparpillées un peu partout, à droite, à gauche. Connor, sors ton couteau au cas où, quand même. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est pas une porte, là, ce qui est juste à ma gauche, là. Tu l'ouvres et tu trouves des portes de cette petite salle de bain. Oh, ça pue. Moi, ça pue. Là, moi, je regarde dans l'interstice, là. La salle de bain, elle est crade aussi, la salle de bain. Il y a un garage avec une voiture qui semble en très mauvais état. Ouais, elle est crade, la salle de bain. Je pense juste la tête pour voir ce qu'il y a de ce côté, à gauche. Ça donne pas plutôt l'impression si, de là, c'est un garage. Y a rien à gauche du garage. À gauche du garage. Ouais, tu sais, t'as la voiture, mais est-ce qu'il y a quelque mais chose ping là où tu me dis, parce que je comprends pas. Là, là. Là. Ouais. Non, non, y'a rien là. Ok. Y'a un mur en fait, c'est le mur là. Eh, hey, y'a une voiture, peut-être que je pourrais récupérer les pièces détachées. Oh, ça serait trop cool. On regardera là. On va m'accrocher la voiture pour faire du skateboard. Ouais, c'est peut-être pas le moment. On regardera à la fin. Pour marquer un salon. Pour marquer des oh, de la farine. Des bibliothèques qui sont pleines de livres. Non, non, non. Ouais, là, c'est peut-être pas du sucre. Il y a pas mal de bouquins. Il y a des... Ouais, une... Ah, je regarde. Une chaise cassée sur le côté. Bon, y a pas, c'est pas du sang, hein, ce que vous voyez. C'est juste, regarde les bibliothèques. Elles sont où, les bibliothèques, là? Oui, tu l'as sur une étagère ici. Voilà. Il y a un couteau là? Ouais, tu vois un couteau. Ouais, je prends le couteau. Jaker, qu'est-ce que c'est sur le plan de travail là? C'est du sucre? C'est de la farine? C'est ouais, c'est de la farine, ouais. Non, c'est de la farine. Okay. C'est autre chose. Ok, ok. Je goûte, hein. Je goûte par ouais, chance. Mais... Un goût de farine, quoi. Si, je mets mon doigt dedans. Toi, on remarque. Bon, bah, c'est de la farine. Toi, Ryan, en regardant un peu les livres, parce que bon, tu. T'aimes bien lire, du coup tu vois ouais, que c'est des livres sur les oiseaux. Il y a... ouais, là, ça parle de neurobiologie, de d'éthylogie, mais aussi ouais, sur les titres, sentiments, l'amour et les méthodes permettant d'attirer l'attention de quelqu'un. Certains titres qui m'ont l'air un peu compliqués à ma connaissance, parce que je m'intéresse au sujet scientifique, mais bon. Ouais. Attends avant, t'es là, y a... un petit peu en fonction de mon âge. Vous remarquez aussi mais que aussi, sur les murs du salon, il y a. Est-ce qu'il y a un livre qui a l'air d'être plus usé que les autres, comme si on l'avait consulté plus souvent? Ouais, oui et non, ouais. C'est quand même pas mal de livres qui tu comprends rien en fait de ce qui se dit quoi. Tu vois que c'est quand même des. Ouais, c'est vraiment de la neurobiologie, enfin des trucs assez. Vraiment des lectures pour les grands. Voilà, à ton âge, bon, il y a peut-être vieux. Deux, trois trucs que tu comprends, parce que tu vois un truc sorte peut-être de truc opératoire, mais voilà, ouais, ça pourrait mots, avoir un lien peut-être avec ce que vous avez vu. Ouais, ouais. Bon. Sur les murs du salon, ouais, vous voyez que c'est couvert de dizaines de photos, encadrées de scientifiques... célèbres apparemment avec des prix qu'ils ont un peu sur avec eux qui présentent un peu des sortes de diplômes ou voilà y a, ouais vous voyez qu'il y a Einstein qui est accroché aussi et à côté il y a une photo d'une femme entre deux âges blonde au regard fier portant un pins symbolisant le yin et le yang. Sa blouse de laboratoire. Sur un magnétoscope, vous trouvez une cassette vidéo du film Les Oiseaux, d'Alfred Hitchcock. Moi, je l'ai déjà vu celui-là. Il est pas mal en plus. C'est vraiment d'actualité avec ce qui est en train de se passer pour les pros. Ça fait un peu peur ça. Donc là, il y a quoi? Vous descendez à j'entends la cave? J'entends ton chien qui commence à aboyer. Ah, il aboie sur quoi? Ouais, comme si quand vous commencez à monter à l'étage, il commence à aboyer vers l'étage. Ouais, ah bah, non, c'est pas la cave, c'est l'étage. D'accord. Bon, on monte à l'étage. Attention, Connor, fais gaffe. Ouais, ouais. Je retiens un petit peu mon chien parce que. Je passe devant. D'accord. Vous pouvez monter prêt, là.
là, je vais vous mettre. Ici, vous voyez. Oui. Oui. Vous pouvez mettre vos tokens ici. Touk, touk, touk. Ton chien semble un peu agité, quoi. Il aboie toujours dans la pièce. Ça va aller, Socrate. Vous remarquez que, ouais, il y a juste en face de vous, il y a toujours ce... Ouais, vous retrouvez cette femme en blouse blanche, en photo. Ainsi qu'un homme d'âge moyen, mince, avec des longs cheveux en désordre, avec une blouse lui aussi. La femme en blouse blanche, là, elle est jeune, elle est de quel âge à peu près? Ouais, entre deux âges, tu vois. Deux âges, d'accord. Ouais, la plupart du temps, quand ils sont tous les deux sur la photo, l'homme se retrouve à l'arrière-plan avec un sourire timide en regardant la femme. Et puis, vous entendez aboyer. Bah, c'est mon chien qui aboie ou non, c'est mon autre anime. Il y a un teckel qui vous fait face, juste en face de vous, et qui est en train de... Oh, oui, c'est mignon. Ouais, c'est hargneux les teckels, hein, fais gaffe. Ah ouais, c'est assez agressif. Non, c'est mignon. Ah oui. Amanda. Je retiens Socrate parce que bon. Ouais, il aboie, il semble. Ouais, il semble un peu diminué. Vous voyez qu'il fait. Semble un peu diminué. Il est attaché ou pas? Non, il est pas attaché. D'accord, mais il remue la queue, il a les oreilles en arrière. Non, il aboie sur vous, comme ça, comme si... pour vous fassiez demi-tour, quoi. Ouais, il a pas l'air comme... Ah oui, d'accord. Je vais prendre la barre de céréales, comme ça, je vais la broyer un petit peu entre mes mains. Je vais m'avancer vers lui. Continue à aboyer. Ouais, Je dépose ça juste devant lui. Allez, continue à aboyer. Fais pas attention à ce que tu veux. Il est attaché ou il est libre? Non, il est libre. Comme si il était en train de défendre son territoire. Si on regarde vers la gauche et vers la droite, sur le palier, qu'est-ce qu'on voit? À la gauche et la droite. J'essaie de faire des petits bruits pour là, le calmer en mode. Tu vois, il y a une porte qui mène à un endroit. Vous voyez pas. Et là, pareil, ça mène à. Vous voyez pas vraiment. J'essaie de le carrer. Vous entendez quelqu'un qui est en train de. Ouais, c'est quoi ce bruit? Quelqu'un qui se transforme. C'est ce que je fais avec les animaux, ça fonctionne dans la vraie vie alors. Et vous voyez une fille qui est impossible. Vous voyez cette femme, cette jeune fille que vous avez croisée en vélo qui apparaît juste derrière lui, qui le retient et qui vient... Elle est pas blonde. Elle est pas blonde. Elle devait avoir un bonnet jaune. Elle est blonde. Voilà. De loin, avec les reflets, ça faisait blond. Voilà. Elle est pas blonde. Bon, elle est blonde. Oui. Une blonde rouge. Bon, ceci dit, Mais qu'est-ce que vous faites là? On est venu voir Monsieur Dixon. Arrête. On a frappé, personne ne répondait, la porte était ouverte. S'est inquiété. Bon, on voulait voir Donald Dixon. Bah oui, c'est mon oncle, mais il est pas là. Il est où votre oncle? Ouais, je sais pas, il a disparu. On a quelques questions à lui poser, les oiseaux agissent bizarrement. Bah ouais, j'ai vu, je suis en train de les surveiller, il y a pas très longtemps je me suis fait agresser par une bande de mouettes incontrôlables. Depuis je m'intéresse à ces oiseaux bizarres. Nous aussi, c'est inquiétant. Parce que j'en ai tué une, très nombreuses. J'en ai tué une, je l'ai autopsié avec un couteau et une paire de tenailles et des ciseaux trouvés dans la cuisine. T'as trouvé quelque chose dans l'autopsie? Ouais, non, pas grand chose. À part elle avait quelque truc, chose au cerveau? Ouais, un truc électronique. Pas trop ce que c'est. Bah nous, on a trouvé ça sur un pigeon. Mais un pigeon qui avait aussi... Le pigeon, il parlait. Ah bon? Oui. Ouais, on a entendu des voix dehors et c'est des pigeons qui parlaient entre eux. Alors ils avaient des discussions de pigeons parce que
Ouais, je Voilà, il comprends. parlait de graines et de choses comme ça, mais Père Denis. ils sont sauvés en fait. C'est bizarre cette histoire. En fait, bon, moi, pour tout vous avouer, je peux vous faire confiance, mais je viens du centre de Las Vegas, d'où j'ai fui mon beau-père envahissant et autoritaire qui me battait. Je suis parti avec mon teckel pour venir chez mon oncle. Je passais mes vacances d'été ici, mais il n'est pas là. Et ouais, mon oncle. Bah, depuis plus petite, je venais. Depuis que je suis toute petite, je viens ici. Mais ça fait 4-5 jours que je suis là et j'ai pas de nouvelles de lui. Je me demande s'il a pas sa part de responsabilité. Ouais, peut-être dans l'existence de ces oiseaux tueurs. Hein, j'en sais rien. Il a disparu. J'ignore où il se trouve maintenant. Tu vis toute seule ici, du coup, depuis 5 jours? Bah ouais, j'essaie de voler à droite à gauche, je me cache. Ouais, j'avais peur que ce soit la police ou je savais pas trop qui c'est qu'il était, c'est pour ça que je vous ai pas répondu. En fait, je crois que j'ai fait une erreur en partant parce que ma petite sœur me manque. Pas si évident que cela de me retrouver toute seule. Vous avez de la chance d'être ensemble. Ouais, elle regarde un peu vous, les deux sœurs, quoi. Moi, je la regarde avec un air triste. Elle se frotte un peu les yeux. On va t'aider pendant que t'es ici, c'est pas. Je lui tends une canette de Pepper que Ah, qui me merci. restait en rab. Ouais, Tiens. elle est sale, tu vois, elle est un peu. Elle est pas. Là, ouais, comme si elle était habillée comme ça depuis un moment, quoi. Elle est partie en vitesse, quoi. Et bon, elle essaie de se débrouiller comme elle peut. Elle a 15 ans, quoi. Elle est pas. Ah ouais, donc elle est à peine plus âgée que moi. Bah tu sais, écoute, moi aussi je me débrouille tout seul si tu veux. Je peux te trouver des trucs, notamment à manger. Je peux me débrouiller. Moi j'ai des vêtements si tu veux. J'en ai même beaucoup, il y en a beaucoup que je porte plus, donc je peux te les donner sans Ah, problème. vous êtes gentil, mais là, ce qui m'inquiète, c'est mon oncle, quoi. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose ou qu'il fasse des bêtises ou j'en sais rien. J'ai aucune idée. C'est quand même bizarre qu'il disparaisse. Et puis ces oiseaux, là, c'est quand même dramatique. Bah écoute, J'ai on vu des essaye de gens se chercher faire des agresser au réponses sang. aussi. Oui, on a vu aussi. On essaye de chercher des réponses, donc si tu veux te joindre à nous pour. Parce que là, du coup, notre objectif, c'était de trouver ton oncle pour avoir des informations, mais là, on est un peu bloqué, donc. On peut peut-être voir pour chercher ensemble. Est-ce que tu sais où il travaillait exactement? Bah, il travaillait pour le Loop, hein, pour le DARPA, il me semble. Ouais. Tout cas. Est-ce que ton oncle il avait une compagne? Non, premier souvenir, non, ça ne me dit rien. Ça ne me dit pas vraiment grand-chose. Tout cas, Madame qui je n'ai est sur pas. les photos, elle te dit rien? Non, je ne l'ai jamais vu. Mais voilà, je vous ai dit tout ça, mais n'avertissez pas la police ou. Ah, tu Ils peux me vont faire confiance. contacter mes parents et j'ai vraiment pas envie de rentrer chez moi. Même si ma petite soeur me manque, je vivais dans le centre de Las Vegas avec ma mère célibataire qui a accumulé deux emplois et ma petite soeur qui me manque tant, quoi. Et ouais, ce nouveau copain de ma mère, c'était un homme violent. Il saisissait la moindre opportunité pour s'en prendre à moi dès que nous étions seuls à la maison. Donc, j'en ai eu assez, je suis venu Et ici. du coup, tu vis ici? Bah, je pensais que mon oncle pourrait m'aider. Ouais, c'est assez sale, hein. Ça a l'air de faire un petit moment que ton oncle est pas là. Bah ouais, c'est le problème. Le problème, c'est la nourriture maintenant. Ouais, elle semble très nerveuse quand même. Elle a cet teint hâlé. Elle a bien les cheveux blonds, hein. Modelé à la laque, donc c'est peut-être ça qui fait la couleur. Je pense, je pense.
Ouais, elle a un t-shirt avec, avec Minnie Mouse, elle a Minnie Mouse dessus, et un peu crade. Et puis elle s'allume une clope. Oh. Moi je regarde un peu à droite à gauche si je vois quelque chose, parce que bon, il y a peut-être encore des indices de choses qu'on n'a pas vues. Moi j'ai trouvé. Est-ce que tu montres qu'il avait un bureau? Ouais, il y a des croquis de processeurs d'oiseaux, j'ai vu. Ça te dérange si on peut aller jeter un œil? Bah non, je les ai là. Et c'est les mêmes que j'ai trouvés sur les mouettes. C'est pour ça que je pense que j'ai peur qu'ils soient liés à tout ça. Et par où, s'il te plaît? Ouais. Et elle vous fait descendre, en fait. Et elle vous montre. Me faire un test d'analyse. Bon, j'ai un peu zappé beaucoup de tests, mais je préfère jouer le RP sur ce que vous dites, en fait. Pas plus intéressant que tirer des dés. Vu que vous dites pas de conneries, bon, ça va. Analyse. Moi j'en ai. Faut qu'on le fasse tous. Oui, moi je vais tous le faire. Un test de quoi? Analyse. Il n'y a que personne qui s'appelle comme ça ici. Ah, ah putain. Ça a été long. J'ai eu peur, j'ai cru qu'on allait lui t'expliquer. Oh la vache. De voir ça s'expliquer. Non, on n'a pas compris. En fait, tu comprends, Ryan, justement. Ouais, là, j'ai fait plus de succès, moi. Ah, pas vu. Ouais. À deux. Attends, bah, à tous les deux, en fait, à tous les deux, vous arrivez à comprendre. Bah, du coup, ça c'est des sortes de, ouais, une sorte de machine qui attire les oiseaux. Compte sur ça et ça, ouais, aussi ça, les puces électroniques qui laissent supposer que quelqu'un doit les contrôler, les oiseaux, mais. Mais le schéma manque un peu de détails sur le fonctionnement exact de l'engin, comme si le concepteur s'était arrêté au milieu de son projet. C'est une espèce de télécommande pour oiseaux. Ouais, vous arrivez à comprendre ça, tous les deux. Et est-ce qu'on pourrait la refaire avec les plans? Non. Okay. Est-ce qu'il y a un indice sur la source? Enfin, de... Il faut bien un truc pour contrôler à distance. Vous avez pas d'infos sur ça. Donc là, on a un plan, mais ce qu'on a trouvé, c'est les espèces d'antennes sur les oiseaux, mais on n'a pas la télécommande, quoi, c'est ça. Vous avez juste un, ouais, c'est même pas un plan, c'est une esquisse entamée, quoi. Il est même pas complet, et il vous laisse à deviner que quelqu'un doit les contrôler automatiquement. Bah, c'est peut-être ou alors c'est peut-être pour ça que les oiseaux font un peu n'importe quoi, c'est qu'en fait ils sont mal contrôlés. Bah, moi là il y a du coup là Stacy qui s'appelle Stacy Johnson qui... Par contre j'ai vu le nid des pigeons au loin et je sais qu'en fait ils sont pas dangereux comparé à d'autres volatiles. Bizarrement, ils n'ont pas les mêmes. C'est effectivement, dans ce qu'on a vu, les mouettes étaient agressives, mais les pigeons, ils se sont sauvés, quoi. C'est bizarre, quand même. C'est... Je ne sais pas s'il y a un lien, mais vous avez vu, vous, des pigeons avec ce truc dans le crâne aussi? Oui, oui, oui. Pourquoi ils ne seraient pas agressifs Déjà, je dirais, moi je sais pas, moi ce que j'ai vu des pigeons et des mouettes, c'est que les mouettes, c'est presque des prédateurs, quoi. Hein. Ouais, mais bon, de là, ils vont attaquer pour bouffer un poisson, ils vont attaquer pour voler de la nourriture. Alors que les pigeons, c'est peureux, les pigeons, ça saute. Ouais. Mais bon, Tu les as trouvés où, les plans que tu nous montres là, Stacy? Ah, ils étaient là, étalés sur la table.
Après, laquelle si vous voulez fouiller la maison, vous pouvez, peut-être j'ai loupé des trucs. Hein, mais J'irais bien fouiller à l'étage, moi. Ça te dérange pas? non, non, tu peux y aller. Si j'ai rien à cacher. Il y a peut-être y a cet homme là, ce Christopher Boyd aussi. Il doit savoir des choses hein, sur ce qui arrive en ce moment, mais bon, j'ose pas trop y aller tout seul du tout, lui parler. Il paraît qu'il est un Christopher peu. Boyd, pourquoi tu penses qu'il en saurait plus? Bah, il présentait une émission de TV. C'est un ornithologue, alors je me demande s'il n'est pas lié à ça aussi, peut-être. On l'a déjà vu. Ah, vous les êtes allés le voir? Oui. Oui, Connor. Il est un petit peu bizarre, mais pas bizarre dans le sens qui ferait du mal en télécommandant les oiseaux. Bizarre Aussi. comment? Bah, il a peur des oiseaux maintenant parce qu'il s'est fait attaquer. Ah, ouais, ben, en ce moment, il vaut mieux rester couvert, hein. C'est dangereux de se promener dehors. Ben, du coup, je vais vous révéler toute la zone, hein. Vous avez accès à tout le. Alors, Merci. vous pouvez me faire. Vous me dites soit ce que vous faites, soit je vous fais un jet en général. Pardon? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de bah, vous fouiller un peu dans cette baraque. Donc, je vais regarder s'il y a un jet qui permet de trouver quelque chose ou pas. Oui, moi je regarde. Bon, ça c'est la salle de Analyse. bain. Je m'attends pas à trouver grand-chose à la salle de bain. Ça c'est une chambre. Voilà, à moins qu'il y ait un meuble. Voilà, est-ce qu'on trouve Ouais, je encore te mets dans les placards et tout. des bouquins Ouais. en étant en haut là? Non, tu trouves pas de Ou des bouquin documents et pour pas de l'instant. bouquins Faut en que vous me haut. dites. Parce que je vois pas de truc pour rechercher ou. Comme on dit, dans Cthulhu, c'est. Ouais, trouver objet Toc, caché. voilà. Ouais. Je suis en train de chercher, mais je vois pas un truc qui Il y a pourrait. un machin qui s'appelle Découverte, je pense découverte, pas que ça rien. ce soit lié à ça. Compréhension à la limite, mais non, je pense qu'on va la jouer vraiment RP. Il faut que vous me disiez ce que vous faites. Moi, je passe le bureau au Paint Fin, c'est-à-dire que je regarde les bibliothèques là qu'il va y avoir. Il y a des armoires, je vais essayer d'ouvrir et puis il y a un bureau là. Tu Il y a une poubelle vois, aussi à côté, je vais regarder dans la poubelle. pareil, tu vois. Toujours ces papiers d'analyse, d'esquisses, avec des gribouillis, des trucs barrés, comme si quelqu'un avait cherché à faire quelque chose. Mais rien qui t'aide de plus. Il n'y a rien non plus dans l'armoire ou dans le bureau. Dans l'armoire, tu vois des fringues, ça sent un peu la naphtaline, cette odeur un peu de rance, rien de spécial. C'est quoi cette petite pièce juste là dans le bureau là? Ouais, c'est une sorte Penderie? de dress room, quoi, un peu plus Ok, grand, ouais. mais pas très rempli. Il y a des Est-ce vêtements? Ouais, il y a quelques vêtements. Vous essayez de fouiller les poches ou regardez un peu à droite à D'hommes et de gauche. femmes. Non, que d'hommes. S'il y a des vestes, genre une veste qui est sortie encore, je sais pas, sur la chaise ou quelque part, je regarde dans les poches. Ouais, tu regardes dans les poches, tu trouves 2 dollars. Trouve un Bon, je stylo. prends. Je prends aussi. Ouais, après. Est-ce qu'il y a des trucs cachés Trouve un entre le sifflet aussi. matelas ou sous le lit? Putain, mais je prends tout, hein. Bah, sous le lit, tu trouves une sorte de journal en cuir avec une ficelle attachée, le refermant. Tadadada, bravo. Quel Oh, talent. j'ai trouvé un truc. C'était sous le lit, évidemment. Est-ce que je peux soulever le matelas pour voir s'il y a quelque chose entre le sommier et le lit ou pas? Oui, tu Tu veux que peux. je t'aide? Je vais t'aider. Attends, je vais dessus du coup. Ah. Mais y a rien. Et rien, mais merci les copains, c'est gentil. Vous pouvez reposer. Avez trouvé Oh, quelque j'ai trouvé un chose? carnet! J'ai trouvé le Saint Graal, j'ai trouvé un carnet! Ouais! En fait, Youpi! c'est un journal intime, celui de Oh! Donald Dixon. Où Ah! il Ah! évoque son travail au Loop. Et à plusieurs endroits, il parle de son amour pour la merveilleuse Diane, qui, d'après les écrits, est non seulement magnifique,
mais aussi doté d'un esprit brillant. Il remportera un jour le prix Nobel. Il écrit également au sujet des collègues qui ne comprennent pas Diane, complotent contre elle et la traitent méchamment. La tristesse insondable qu'il a ressentie lorsqu'elle a été obligée de quitter son poste est décrite en détail. Mais deux semaines après, il a été submergé de joie quand elle lui a proposé de travailler avec elle sur une nouvelle expérience, dans un lieu nommé IEX-4Z32. Attends, IEX-4Z32. Je vais vous le mettre sur le Discord. C'est IEX-4Z32. Ouais. Okay. Ouais, ok. J'ai pas vu le truc de... de Guido. De nouveaux restes humains ont été découverts au lac Mille. Ouais. Putain, c'est ouf. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais bien. C'est des news de la journée. C'est gore. Mais vous ne pouvez pas mourir. Vous pouvez juste perdre un bras. Et une... Ah, mais on peut trouver des restes humains. Oui. Je sais pas si on, si on perd la tête, on est mort. Ça dépend dans quel multivers tu te trouves. Et qu'est-ce que tu entends par perdre la tête? Oui. Ok. Est-ce que vous avez trouvé, j'ai pas l'impression, il y a deux chambres. Comment ça? Ah, ici. J'ai une deuxième dans le fond. Et ici. Vous pouvez me faire un test de compréhension ou analyse, au choix. Je... Okay. Ouais, vous pouvez tous le faire. Compréhension ou de analyse. Compréhension ou analyse. Ouais. 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 Alors, vous savez qu'il s'agit d'une immatriculation de magnétrines. Vous rappelez ce que c'est les magnétrines? C'est ces vaisseaux avec ces aimants qui se déplacent un peu dans... dans le ciel. Mmh. Ok. D'accord. Ok. Est-ce que il y a un de ces vaisseaux de marchandises qui serait arrivé au Loop il y a pas long? Ah ça, faut qu'on regarde dans les dossiers de notre père. Moi, j'aurais peut-être entendu parler d'un truc comme ça, sinon. Je peux faire un test de réseau. Mais bah alors, vous avez trouvé quelque chose? Qu'est-ce que vous faites là-haut? Vous fouillez pas mes petites culottes, j'espère? Oh, j'ai peur, j'ai fait peur. T'as eu peur de quoi? Bah, je pensais que t'avais pas pris de vêtements. Ah, mais j'ai pris des culottes quand même. C'est le plus important, les. C'est quel champ la boîte qu'on fouille pas dans vos affaires? Je t'avoue que je préfère pas porter des culottes et porter des vêtements différents et propres que... Ouais, mais moi j'ai 15 ans, je commence à avoir des ragnagnas, alors il me faut des culottes. Ça m'intéresse très peu en vérité. Ah, mais encore trop jeune pour ça, non? Ah oui, vous verrez. 13 ans, c'est l'âge, hein? Ah, ça dépend, ouais, ça dépend. Il y a certaines qui sont... Oui, ouais, ça dépend. Moi j'ai réglé mon ouais, moi 9 ans, hein. C'est parti, je suis aux patates. C'est pas vrai. Du coup, vous voyez Ham, le tekel qui s'appelle Ham, jambon quoi, mais qui joue un peu avec le chien Ryan qui s'appelle, je me rappelle plus, il faut que je note. Socrate, faudrait que je mette son token aussi. Voilà, ils sont en train de, bah, de jouer ensemble. Hein. C'est... Ils font connaissance. Ils font de vos copains. Comment ça va? Moi, ça va bien. Sans moi le cul, sans moi le mien. On parlait des chiens. Du coup, vous avez trouvé quelque chose? C'est quoi ce journal? Oui, on a trouvé un carnet. Ah, c'est à mon oncle, ça? Oui, temps, du coup. Oui, ça doit être à lui, oui. J'imagine que vous l'avez lu. Ouais. Pour vous dire la vérité, bah oui. Et qu'est-ce que vous avez découvert? Une relation amoureuse, je suppose. Mon oncle? Pas forcément réciproque.
Bah si, parce qu'elle lui a demandé de venir travailler avec elle. Travailler. Bah oui, mais ça veut rien dire, hein. C'est pas parce qu'on travaille ensemble, qu'on fait des trucs ensemble, que forcément on est ensemble. Hein. Mais vous pensez qu'il est en danger? Il y a une immatriculation d'un de ces gros engins magnétrines là. Je crois qu'ils avaient rendez-vous là-bas, mais je sais pas c'est quel engin, et je sais pas aussi s'il est là encore. Il faudrait peut-être que vous alliez vous renseigner, je sais pas où. Tu vas rester là, toi? J'ai pas d'autre endroit où aller, et j'ai peur que mes parents viennent dans le coin me chercher. Tu veux venir chez moi? Ça te dérange pas? Bah, ma mère, elle est quasiment jamais là, hein, donc... Puis chez moi, j'ai à bouffer. Bah, c'est gentil. Après, j'ai un chat. Tu peux venir chez moi. Ah, mais je peux pas me séparer de Ham. Hein. Bah, tu peux aller chez Charlie, mais... Moi, c'est vrai que j'ai un chat, je sais pas s'il va beaucoup aimer ton chien. Ouais. Il aime pas trop les chats, en plus. Le problème, c'est que demain, mes parents, ils viennent. C'est demain qu'ils viennent, mes parents. Ouais, commence à baisser la tête. Écoutez, c'est mon problème. J'ai pas envie de vous attirer d'ennuis. Je vois bien que vous êtes gentil avec moi, mais j'ai pas envie d'abuser de votre gentillesse. J'aimerais bien savoir si vous pouvez trouver ce qu'a mon oncle, mais ne tentez rien d'insensé quand même. Tu veux manger des lasagnes ce soir? J'adore les lasagnes. Moi, je pense que ça ne dérangera pas Céline. À chaque fois qu'elle fait des lasagnes, il y en a pour 15. Et je veux bien, ouais. C'est gentil. Puis j'ai pas mangé de bon repas depuis, 5 jours. Je regarderai pour des vêtements aussi ce soir et je les déposerai chez Charlie demain matin pour que tu puisses aussi te changer. Ouais, elle vous prend un peu... Vous prenez un peu dans les bras comme ça... Si elle avait besoin un peu de réconfort, et dit je sais pas ce que je peux faire pour vous, j'ai rien en fait. Bah, on fait pas ça pour avoir des choses en retour. Oui, mais j'ai pas vraiment l'habitude à ce qu'on soit gentil comme ça avec moi. J'ai pas vraiment d'amis. Ouais, elle sera lui une clope. Maintenant, considère que tu en as. Ça, par contre, ça te tue. Fais attention. Ouais, je sais, on me l'a déjà dit, mais c'est une mauvaise ça habitude, tue. Quoi, on va dire. Oui, bah, tu vois, elle écrase en fait. Elle vient de l'allumer, elle écrase. Bah, si je peux faire ça déjà. J'essaierai de pas trop fumer en votre présence. Est-ce que tu peux laver des vêtements qui sont sales dans la baignoire peut-être? Dans l'évier? Je peux prendre des vêtements et que vous me fassiez une machine, vous croyez? Bah écoute, moi j'ai quelques vêtements que je peux te prêter, vraiment. Mais je te les déposerai demain matin. Bon, c'est gentil. Bah je vous suis alors. Du coup, on va faire comme au début. Attends. Ah, dis-moi. Est-ce qu'il y a des pièces détachées dans le garage? Bien sûr, j'ai vu. Ouais, tu... Je l'ai vu là-bas, j'ai fait, c'est mort. Ouais, tu trouves pas mal d'outillage. Tu trouves une clé à molette. Oh oui! Ça s'est loupé instantanément. Il n'y a plus rien à craindre, les gars. Alors, pour la petite histoire, c'est quand même la clé à molette de Cardonis qui a sauvé lors du dé de sang. Voilà, il a été le sauveur du groupe avec sa clé à molette, quand même. Donc, d'accord. C'est le clin d'œil. Donc, tu trouves, oui, cette belle clé à molette qui brille dans la nuit. Si je la garde. Et voilà, tu trouves des pièces mécaniques, il y a un turbo qui traîne dans un coin, des durites qui auraient pu servir aussi. Ah bah je vais prendre les durites parce que le turbo, je vois pas ce que j'en foutrais sur une cylindrée, mais les durites, genre. Ouais, des pinceaux avec de l'huile, des bidons de toutes sortes. Ouais, je vous laisse noter hein, tout ça. Quelle heure? Il y a un marteau dans le coin ou pas? Un marteau? Oui, tu trouves un marteau, oui. Oh, bah je le pique. Du coup, oui, vous rentrez, il est... Enfin, vous... Là, il doit être... À quelle heure vous êtes rentré dans la maison? Il était 18h, j'ai dit, je crois. J'ai cru. Ouais, c'est comme ça. Là, le temps de fouiller, de parler avec Stacy, là où il est pas facile, 20h30. Hein. Ah bah, faut y aller, hein. Oh, on va y aller.
coup, vous sortez. Stacy vous suit. Elle a pas de... elle a son vélo, oui. Elle a dû partir en vélo. Et du coup, elle suit Charlie plus. Alors, on... vous me dites par qui on commence les scènes. Qui veut commencer pour sa dernière scène de la séance? Bah, nous, on va se faire engueuler, hein, donc. Après, on va prendre ta life, hein. Ça va être très drôle. Non, mais non, papa, il est déjà parti au travail, donc ça va aller. Moi, du coup, je propose quand même à Connor de venir manger des lasagnes avec nous deux. Non, c'est gentil, il faut que j'aille donner à manger à mon chat, et puis je vais essayer de cuisiner un truc pour ma mère aussi ce soir. Ok. C'est gentil. C'est maman qui va pas être contente. Comment ça? À ta mère? Bah oui. Je croyais la mère à Connor. Non. Bah, du coup, vous me dites qui veut commencer. Vous me dites. Il est quelle heure là? Là, vous rentrez chez vous, il est 21h moins 10, quoi, un truc comme ça, en train de faire la route. D'accord, bon bah le jour est en train de se coucher. Chez moi je rentre chez moi. Alors c'est la famille Kowalski. Kowalski. Quoi chez eux? Ah oui, vous l'avez pas vu tout à l'heure, je suis pas déplacé. Ah. Ça sent pas la maison. Oh. Dès que tu rentres, en fait, le père et le fils ont le même sourire. Le père et le fils ont le même sourire. Ouais, moi, j'ai pas fait, j'ai pris un peu. En fait, en rentrant, tu trouves ta mère en pleurs. Alors, je rentre. Elle est toute seule dans le salon et elle est en train de pleurer. Bon, je rentre, je suis avec le chien, donc... Et en te voyant, tu vois, elle se jette sur toi, elle te soulève, elle te prend dans ses bras, et... Mais t'étais où? Oh, bah, j'étais avec mes copains, là, bon... Vous pouvez m'appeler, Ryan, j'étais inquiète. Bah, je t'appelais, on était un petit peu en balade, donc... Ouais, tu sais comment je suis, Oui, mais ton petit frère est plus là, je m'inquiète pour rien. Ouais, mais je vais bien, t'inquiète pas. Mais je vois pas. Ça, je pas la prochaine fois, je t'appelle. La prochaine fois, je t'appelle, promis. Bah oui, pense-y. En ce moment, je sais, excuse-moi, mais j'ai besoin de... Mais tu me rassures un peu. J'ai un petit peu faim là, si t'as quelque chose à manger, je veux bien. Oui, nous on a mangé déjà, mais. Viens, assis-toi. Qu'est-ce que tu veux manger? Bah, je sais pas ce qu'il y a. Ton père a fait de la ratatouille avec du poulet, si tu veux. Bon, bah très bien. Voilà. Ça te va? Du poulet. Ah oui, tiens, ça fait longtemps que j'ai mais pas qu'est-ce mangé. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui alors? T'étais où? Du poulet, du pigeon, du pigeon farci. Pigeon j'ai farci. Pas mangé à mouette. Pas de pigeon farci ou à la mouette? Non. on a été. Tu sais, on est en train de construire une cabane un petit peu au nord, là, et puis on se fait ça, et puis après on discute, et puis c'est les vacances, donc on traîne un petit peu, et puis... Oui, non, mais je sais bien, mais bon, après je reviens à ça, t'inquiète pas, il y a Socrate qui est tout le temps avec oui, moi. Oui, mais je sais bien, Ryan, mais tu pars le matin, avec ton sac, le midi, tu rentres pas, tu m'appelles pas, tu rentres à 9h du soir. T'as 13 ans, Ryan, hein. Oui. Donc, c'est. Évite de ne. Et puis voilà, mais remémore-toi que qu'on. Ton... Voilà, pense à ton petit frère, ce qui est arrivé. Ne me fais pas subir ce genre de choses. Bah. Non, mais bon. On n'a pas de nouvelles de lui. Ouais, elle baisse la tête et elle prend un Kleenex. Non. Bon. Je comme je suis pas très adroit là-dedans, je laisse le silence s'installer un petit peu. Ouais, tu vois, au bout d'un moment, elle se lève, elle se sert un verre de whisky.
Mais bon, écoute, tu débarrasseras ton assiette quand tu auras fini. Oui. Elle Oui. te fait un bisou sur le front et tu veilles pas trop tard comme l'autre jour. Hein. Non, 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 je suis fatigué de toute façon. Très bien. À demain, Ryan. Bisous, mon fils. Bon. Du coup, ta scène se termine là. Who's next? Peut-être, non? Ouais. Les filles. Non, on rentre, hein, du coup. Turner On va House. se faire tirer. Là, j'ai une image que j'avais pas mise, c'était celle-là. J'ai oublié de la zapper. Elle est très vintage, celle-là. Ouais, là, j'ai mis du temps à la trouver en plus. Du coup, vous rentrez chez vous. Et vous voyez vos parents adoptifs vous attendent dans la cour du jardin. C'était secret, ça, Jaker, on l'a pas. Ah pas merde, dit. Pardon. Bon, bref. Ils ont rien C'est pas entendu. que j'ai rien entendu. Vous voyez, ils vous ont pas vu, ils ont l'air inquiets, ils regardent à droite, à gauche. Que faites-vous? Vous les voyez de loin. Ah, ils sont tous les deux? Ouais, ils sont tous les deux, ils sont limite en train de parler fort entre eux. Papa, il est pas parti au travail. On va se faire tirer les oreilles, ça va pas faire du bien, je te le dis. Ah bah écoute, il avait qu'à nous écouter. Puis oh, j'avance d'un air... Est-ce que t'as... question, quoi, t'as laissé la fenêtre de ta chambre ouverte ou pas? Peut-être. Je sais pas. On Est-ce que c'est de... une bonne idée? Oh, faut plus, plus une minute non, de prendre, vas-y, mais... non. C'est pas une bonne idée. Allez, hop, non, on y va. Allez, on y va. Ah, du coup, on Bonsoir! avance. Vous Salut! avancez et en fait, de loin, vous voyez, votre père vous voit et il rentre directement à la maison sans rien dire. Ah ouais, oh, ça fait mal. Et il y a votre mère qui s'avance vers vous, d'un pas assez pressé. Bonsoir, maman. Où est-ce que vous étiez? On était se promener non, en Non, mais ville. C'est encore toi, Laïa. C'est toi qui dévergondes ta sœur, hein. Tu l'amènes encore n'importe où, à des heures pas possibles. Non, c'est pas elle, maman, c'est pas elle. On Non était partis se promener avec nos amis. Non mais entre vous et votre père, j'ai ma dose. Hein. Vous rentrez immédiatement à la maison et vous montez dans vos chambres. On avait téléphoné à papa, et la on lui a punition demandé sera de venir. sévère. On avait téléphoné à papa, il a pas voulu nous écouter. Non mais papa, il est pas allé travailler parce qu'il était inquiet. Bah ouais, mais il avait qu'à être inquiet quand je lui ai téléphoné, que je lui ai dit que il vous a y dit avait de des rentrer, problèmes. Amanda. Il vous a dit de Ouais, rentrer et vous rentrez maintenant. Oui, bah, il a qu'à venir nous chercher, c'était dangereux en ville. Vous rentrez à la maison, la punition sera sévère. Vous pouvez me croire. Vous pouvez oublier vos sorties là. Vous allez rester au moins. Je sais pas, j'en ai pas discuté avec votre père, mais. De toute façon, 3-4 on sait jours très à la bien que vous maison. nous aimez pas. Allez, viens. Dis pas ça, Allez, Amanda. viens, Laïa. Arrête Allez, de dire viens, des bêtises. allez, on rentre. Du coup, il vous amène à la maison et. Vous voyez, vous à table, ils vous ont préparé le repas. Vous êtes servi. Il y a des crudités, et un peu de poisson. Il n'y a pas d'oiseau. Ah, merci, merci pour le repas. Vous quand même vous mettre à notre place de temps en temps, non, les filles? Mais on a téléphoné parce que ça n'allait pas. Et papa a pas voulu nous écouter. C'est quoi vos histoires que vous racontez là? Vous vous rendez pas compte quand même? Mais vous allez bien voir aux informations à la télévision quand même. Si vous ouvrez, il bah y a eu attends, des gens je vais qui allumer, se sont regarde. Fait attaquer. Tu vois, elle Et allume bah, la télé. Allume. Personne n'en parle. Mais quoi? Qu'est-ce que je dois voir alors? Ah, vous avez qu'à m'acheter un Polaroid comme je vous l'ai demandé, je pourrais prendre des photos là. Non mais prochaine Amanda, fois. C'est Laïa qui déteint sur mais toi ou t'étais sage pourquoi avant? Moi non, c'est Parce mais... que t'es toujours c'est en train pas de ça. La mener quelque part depuis des années. Non. Mais non. De toute façon, si je fais quelque chose, c'est elle qui fait quelque chose et si elle fait quelque oui, chose. Oui, bah au bout d'un moment, il faut faire attention où vous mettez les pieds. Vous pouvez pas partir comme ça. Si on vous dit quelque chose, c'est bien que nos relations sont difficiles. Même moi, c'est pas facile avec votre père. Mais je peux Me pas. Pleure pas, maman. Non, mais mangez votre assiette. Peut-être
j'ai tendance à trop vous gronder. J'ai pas trop le mode d'emploi. Peut-être que je fais très mal les choses, mais... Non, mais on est désolé. C'est vrai qu'on vous rend pas la vie facile. Vous pouvez pas m'empêcher de m'inquiéter pour vous. Je vous aime. Je sais bien. Je vais lui faire un câlin. Ça me fait mal quand tu me parles comme ça, Amanda. Je suis désolé, maman. Mais il y aura punition quand même. Ouais, mais... Bah oui, bah je suis désolé. Mais notre amie Charlie, ses parents, ils sont pas là, ils sont seuls. On voulait pas la laisser toute seule. C'est encore une autre histoire. Faut arrêter de me raconter des histoires. On pourra quand même aller chez elle demain. Non, vous resterez à la maison. Tout, c'est comme ça. Maman... Je suis désolé, Amanda, et... C'est je votre fais père. Les yeux doux. C'est votre père qui a décidé, c'est pas moi. Donc ça ne sert à rien, je pourrais pas revenir sur ça. Il ose même pas vous parler et il a pas envie de se mettre en colère contre vous parce qu'il est très en colère. Ça se fait pas de parler comme ça. Et vous allez le payer. Bah dis donc. Oui, ça c'est des ça. Menaces, maman. Mais non, c'est des punitions, il faut que ça vous montre bien, un peu. C'est pas bien ça, les menaces, maman. Mais non, c'est pas bien du tout. C'est des punitions, c'est comme ça. Voilà, vous allez être puni. C'est tout, et... Attends, je me retiens de parler. Mais pas de commentaires. Moi, ça me ferait pas rire d'être puni. Vas-y, hein. Je cutterai au montage. Non, mais c'est pas drôle, mais moi... Enfin... Moi je boude et je parle pas marrant parce que pour elle c'est toujours de ma faute. Je regarde pas, je parle pas. Ah t'es la dévergondée des deux sœurs. Et du coup vous mangez, vous faites un peu grise mine, même si bon ça s'est un peu arrangé, mais vous avez pas trop eu la version de votre père. Bah moi avant d'aller me coucher quand même je vais à la porte et je lui dis du coup bah, bonne nuit papa, je suis désolée. Bonne nuit. Puis je m'en vais. Je t'aime. Il répond pas. Ça marche toujours avec les parents, ça marche toujours. Ouais, ça l'a touché quand même, touché. Ça marche toujours avec les parents. Il répond pas. Il répond pas. Tu te sens vraiment. Il est pas comme d'habitude. Ouais, j'avais gardé la puce. Ah, je du sais coup, pas. Du coup, si, parce que la toute première, j'avais demandé de la prendre. Ouais, oui, bah oui. Vas-y. Donc. Dans la chambre avant de faire dodo, je dis à Laïa, tu penses quand même qu'il faut que j'aille avec la puce pour voir, pour demander à papa ou on attend un petit peu. Laïa. Laïa, je me sens tes conseils. Oui, pardon, désolé. Tu t'es endormie déjà? Non, dans son lit. Non mais je parle de Laïa, pas de Lucie. Oui, non, Laïa, elle a pas genre dit bonsoir à ses parents ni rien, elle a juste tracé tout droit après le repas et. Enfin, elle répond pas. Elle est... Bah, je vais quand même montrer la. Elle est dans un multiple total. Bah, ouais, mais bon, faut que tu m'aides là. Je sais pas, moi je fais quoi. Je te suis, mais je baisse la tête en. Ouais, mais. Donc j'y vais. Ouais, viens, on y va, allez, c'est bon. Bah, c'est parti. Bah, du coup, je retoque au. À oui. La porte du bureau de. Papa. Entre, chérie. Ah, mais c'est vous êtes pas au lit. Montez de suite vous coucher. Alors, pour l'histoire d'aujourd'hui... Non, Amanda, on parlera demain. Je lui montre la puce et je lui dis on a trouvé ça du coup sur un des oiseaux qui nous a attaqué. C'est bon, quoi je lui tends. Encore vos histoires d'oiseaux, là. Ouais, il prend le truc, il le pose en haut d'un meuble, mensonge, fait « Allez vous coucher pas. Maintenant ». Ouais, mais promets-moi que tu regarderas parce qu'on était quand même en danger et ça, tu vas Amanda, pas m'écouter. Amanda, j'ai dit à votre mère que je ne vous parlerai pas ce soir. Ah ouais, mais moi ça me fait mal quand tu fais ça, papa. Allez vous coucher, on parlera demain. Maintenant j'ai mal au cœur. Arrête, Amanda. Mais non, j'ai mal au cœur. Amanda va te coucher. Tu vois, il te fait un bisou sur le front et il te fait un bisou sur la joue à toi, Laïa. Allez vous coucher, les filles. On parlera demain. D'accord. Et bonne nuit, papa. Et du travail. Bonne nuit. Bah, du coup, je vais me coucher. Il aurait lancé tout. C'est bon, du coup, on fait dodo. Who's next? Vas-y, moi. Il y a une bonne tournicherie pour amadouer papa.
Alors du coup, toi, tu rentres chez toi, Connor. Bon, il fait nuit noire, hein. Il y a personne dans la maison, comme à son habitude. Tu allumes un peu toutes les lumières dans la maison. J'appelle mon chat. Ouais, il a faim, il te tourne, il se frotte sur ton mollet. Il semble avoir trop. Allez, on va manger. Je sais pas ce que je peux faire dans le... à manger. Pour le RP avec un chat, c'est pas facile. Oh, j'y crois, moi j'y crois. Le PNJ. Allez. Vas-y, je vais y avoir un peu de crème qui traîne, des pâtes et un peu de bacon. Je vais faire des pâtes carbo et je vais prendre un morceau de bacon et je vais le donner à Tom. Je vais vous mettre quand même chez Connor. Du coup, y a ta mère qui rentre. Vous l'avez reconnu, sa mère. Il joue dans une série. Non, ça vous dit rien. Pas la ref. C'est vrai ? Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr. Marié deux enfants. Non ? Non. Peggy Bundy. Oh là là. Non, par contre, le poster dans la chambre de Connor, franchement, pas mal. Hein. Ah ouais, c'est une chambre de mec, hein. C'est ça. Hein. Il a 13 ans. Franchement, hein. Honnêtement, je saurais pas dire. Hein. De la chambre, si c'est une chambre de mec, hein. Je sais même pas si c'est une chambre. Ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, il y a quand même un poster, mais avec Winnie the Pooh derrière. J'adore toi. Effectivement. Et alors, comment va mon fils chéri? Bah, ça va, écoute, je t'ai préparé à manger, regarde. On va pouvoir manger ensemble. Waouh, t'es trop fort, tu vois, elle te sert un peu dans ce bras. Alors, T'as un peu révisé aujourd'hui? Ça sent bon, dis-moi. Hein, mais tu manges tard, tu m'as attendu. T'es trop gentil. Non, ouais. C'est bien passé le travail? Ouais, comme d'habitude. Hein. Ouais, les journées passent et voilà, écoute. Je suis fatigué, j'ai pas très bien dormi. Tu vois, elle se pose un peu sur le canapé. On commence un peu à décompresser de sa journée. Je suis fatigué. Depuis que ton père a disparu, j'essaie de faire au mieux, tu sais, pour nous, mais je me rends compte, je suis pas vraiment là pour m'occuper de toi, mon fils. T'es livré à toi-même tout le temps. J'ai pris l'habitude. C'est pas normal. Je dois faire plus pour toi. J'ai du mal à. Tu fais déjà bien assez. Repose-toi, bah. Imagine, allez, regarde, tiens. T'as 14 ans, c'est toi qui me fais à manger. Mais je te promets. Ah ouais, mais j'aime bien. T'es trop gentil, mon fils. Mais j'aimerais que tu travailles, tu vois. Le fait de t'occuper de moi, bah, du coup, tu prends du retard à l'école. Ryan, il a pu t'aider un peu. Bah, je lui ai montré un peu mes carnets de vacances là aujourd'hui pour qu'il m'aide là où je coince un petit peu là. Ça va avancer. Tu me promets que tu auras des meilleurs. Ouais, ouais, je. Ouais, ouais. C'est important pour moi, Connor. Je vais faire mon possible. Ouais, ouais. Je te promets, maman, que j'aurai des meilleurs résultats. Et ta journée alors, qu'est-ce que t'as fait? Bah, du coup, je t'ai dit, je suis allé voir Ryan un petit peu. On est sorti. Il y a eu des trucs bizarres dehors. T'as pas vu des trucs, toi? Des oiseaux, il y avait beaucoup d'oiseaux aujourd'hui, non? Ouais, j'ai vu des oiseaux, mais. Qui. Ouais, bon. Peut-être plus que d'habitude, mais rien de spécial. Pourquoi? Non, pour rien. Bon, bah, mange, ça va être froid. Essaye de manger. Ouais. Bah, bon app. Ouais, merci, mon Connor. Et demain, t'as prévu quoi? Faut que j'aille du retour voir Ryan, tu sais. Et puis je vais aller voir Marcus. J'aimerais bien savoir aussi comment ça va. Je lui ai apporté ses médicaments aujourd'hui. D'accord, t'as besoin de quelque chose? Bah, non, je me débrouille, maman. T'as pas besoin de sous? Non, t'inquiète pas. Bon. Il me faudra juste un petit peu de quoi refaire les courses, mais sinon, c'est bon, quoi. Bah, je te laisserai demain matin en partant, je te mettrai sous le saladier, ouais. La table. Ça marche. Je suis désolé, mais je vais aller me reposer, je suis exténué. Ouais, va te coucher. J'ai du mal à tenir debout. Tu me promets de pas veiller, hein? Non.
Bon, je vais rester un petit peu là en bas parce qu'il fait un peu chaud là-haut, c'est sûr, attendre que ça baisse un peu en température, mais c'est bon. Bon. Bisous, mon chéri. Ouais, bisous. Du coup, la scène finit ici et on va passer à la dernière scène de Charlie qui est accompagné de Stacy. Et du coup, t'arrives chez. Comment elle s'appelle déjà ? Céline. Je vais te mettre. Hop. Céline Darcy. Tu es devant sa porte avec Stacy. Mais t'es sûr que ça va pas déranger, Charlie ? Non, mais c'est pas grave, au pire, on ira manger dans ma maison. Juste, il faut que je te dise, il y a un garçon qui s'appelle Mike, il est vraiment pas cool, alors tu feras pas attention à lui, hein. Ouais, je suis un peu intimidé de me retrouver ici, tu sais. Ouais, non, t'inquiète pas, regarde, suffit de sourire. Ding dong. Ouais, je t'avoue, j'ai un peu perdu le sourire en ce moment. J'ai serré. La porte s'ouvre. Ah, Charlie. Ah. Charlie ? Ça va ? Oui, bonjour. Bah oui, mais je voulais te demander, est-ce que mon ami pourrait dormir, non, mais manger avec nous ce soir, parce que tu sais, elle est un petit peu comme moi, ses parents ils sont pas trop là, sauf que elle a pas une gentille voisine comme toi pour bah rentrer, oui, rentrer toutes les deux, rentrer. Mais vous êtes connus. Si ça te dérange, on peut manger à la maison. Non, rentre Charlie, c'est prêt. Je t'attendais. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Enfin, on est quatre, mais bon. rentrez les filles. Mais c'est la première fois que je te vois. Tu t'appelles comment? Stacy. Ah, Stacy. Vous êtes connu comment, Charlie? C'est au théâtre. Ah. Elle vient d'arriver en ville. Tu veux qu'on appelle tes parents, Stacy? Non. Bah, comme je t'ai dit, ils sont un peu comme les miens. Il faut pas trop les embêter parce que bah tu sais comment ça se passe. Charlie, tu mets toujours autant de cœur à l'ouvrage pour dépanner les gens. Ouais, elle te pince la joue comme ça. Allez, asseyez-vous, je vais vous servir. Et vous voyez Mike qui arrive juste après vous, qui ouvre la porte, qui jette son sac. Salut maman. Salut Mike. Allez, viens manger. Il s'assoit devant toi. Ça va, Charlie? Du coup, il vous amène les lasagnes. Vous voyez, tu vois que Stacy a l'air vraiment mal à l'aise, en fait, de se retrouver à table avec toi. Et Mike arrête pas de la regarder avec un air un peu... ouais, t'es qui, toi, quoi? Et en fait, lui, elle parle pas. Elle te regarde d'un air de te dire, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Céline essaye de briser un peu la glace parce que Mike ne dit rien en fait. Vous êtes quand même en très mauvais contact tous les deux. Il veut pas trop en parler à sa mère, donc il a un peu la autant quand il y a sa mère avec toi, ben il est un minimum poli, mais quand il y a pas sa mère, ben il est un peu chiant avec toi, quoi. Donc vous avez fait quoi aujourd'hui? Théâtre? C'était pas le théâtre? J'ai promené, ce midi j'ai mangé un hot dog avec plein de fromage dedans. Ouais. Oui. T'as vu des oiseaux bizarres du coup depuis que je t'ai appelé? Tu vois Mike qui lève la tête, il dit, il te fait un signe de la tête. Ah non, j'ai pas vu d'oiseaux. Est-ce qu'il y a des oiseaux bizarres? Ouais, moi j'ai vu des oiseaux bizarres. C'était un peu... J'ai vu des gens se faire agresser par des oiseaux. Non mais Mike, arrête s'il te plaît. Dis pas de sottises. Non mais je t'assure maman, j'ai vraiment vu des gens se faire attaquer. Ouais, elle fait pas attention, elle continue à manger. De toute façon personne me croit ici. Tu vois, il balance son assiette comme ça, il se lève et il monte dans sa chambre. Bah, excusez-le, une période difficile en ce moment le Mike. Finissez votre assiette et essayez d'aller vous reposer. N'oublie pas que tes parents arrivent demain. Ils m'ont dit que tu sois là à leur arrivée. T'arrives à quelle heure? Bah, demain matin, je crois.
Du coup, vous mangez et Bah, on va t'aider à débarrasser avant de partir. C'est gentil, Charlie. Du coup, vous débarrassez. En fait, il est 22h, 22h10. Et il y a le téléphone qui sonne chez Céline. Elle décroche. Charlie, c'est tes parents. Ils ont essayé d'appeler chez toi, t'étais pas là et ils ont appelé ici. Je me dirige C'est ton doucement papa. vers le téléphone. Et je Allô? mets le plus de temps possible à le mettre à mon oreille. Allô, ma Oui. chérie? C'est papa. Oui. Alors, j'ai essayé de t'appeler toute la journée. Je triture le câble du téléphone. Bah oui, mais j'étais avec mes copains. Ouais, mais tu pourrais nous appeler aussi de temps en temps, un petit Charlie. Bah j'essaye. Mais au bout d'un moment, j'ai essayé d'appeler parce que vous répondiez jamais. Elle t'a pas dit, Céline, qu'on avait essayé d'appeler? Oui. Tu peux pas prendre le téléphone et nous appeler de temps en temps? C'est toujours nous qui devons t'appeler. On te manque pas? Oh. On vient demain, hein, tu sais, hein. Oui, On à a quelle heure demain plein de matin? cadeaux pour toi. Ah bon? Ah oui, comme d'habitude. C'est quoi? Ah, c'est la surprise. Et toi, qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Une copine qui dort à la maison cette nuit. Ah, Amanda ou Laya? Non, c'est aucune des deux. Et puis tu sais très bien que s'il y en a une qui vient, l'autre elle vient aussi. Oui, c'est vrai, je suis bête. Mais bon, des fois, ça vous arrive de vous embrouiller, hein. Bah écoute, c'est qui cette copine? Je la connais pas? C'est une copine du théâtre. Ah, mais tu m'en as jamais parlé. Non, elle est nouvelle dans la ville. J'aime pas trop que Elle tu vient amènes d'arriver. des gens comme ça que je connais pas à la maison, quand même, Charlie. En même temps, ça fait un mois que t'es pas revenu à la maison, alors tu peux pas la connaître. Excuse-moi, Charlie, mais je travaille. Ça me prend Bah beaucoup de alors, me temps. reproche pas de pas la connaître. Mais quel Tu âge elle préfères a? que je sois toute seule à la maison? Non, mais j'aimerais bien savoir qui est cette fille. Bah c'est Stacy, elle a 15 ans. Elle a 15 ans, mais t'as 12 ans, Charlie. Et bah, toi t'as bien 10 ans de plus que maman. Écoute, je trouve ça un peu bizarre quand même, mais faut que tu sois prudente et elle peut pas dormir chez Céline, cette Stacy? Vous pouvez pas Parce dormir que j'ai toutes les envie d'être deux? normale à la maison. Bon, écoute, je serai là à la première heure demain. C'est quoi Attends-moi à la la maison. première heure? Entre vers 9h. Bah c'est pas la première heure alors. Oui, c'est la première heure de mon agenda, si tu veux, Charlie. D'accord. Tu m'attends. Au revoir. Tu veux pas parler à ta mère? Ah oui. T'es pas obligé, hein, si. Si. Allô? Charlie? Bonjour. Oui. Ça va? Oui, toi. Oui. Tu nous manques, tu sais, poussin. Ah bon? Bah oui, ça fait long là. Bah c'est bientôt. Demain matin à la première heure de 9h. Oui, c'est ce que t'as dit, papa. Oui. C'est qui cette fille? Bah c'est Stacy, j'ai déjà dit à papa. Ah, mais moi non plus, je la connais pas alors du coup. Ouais, on dirait Non? qu'elle discute avec ton père en fait. T'entends des bribes un peu. Aussi, pas ils s'engueulaient, mais ouais, ils disent qu'ils étaient pas trop d'accord. Bah écoute, tu peux me passer cette Stacy? Non. Charlie, voyons. Bah, vous la verrez demain. Bon, bah tu es prudente, hein. Tu fais confiance. Oui. Fais attention. Oui. Allez. Bon, bah bonne nuit, poussin. Bonne nuit. Bah, quand même, ta mère avait quand même pris plus le pli que ton père. Et du coup, vous quittez Céline et vous montez dans ta chambre et Stacy sort une tronçonneuse et elle te coupe en deux.
Je savais que tu devais venir, Connor. C'était le final. C'était le final. Et hop, on a la clamoletta. Non, mais c'est vraiment gentil, Charlie, ce que tu fais pour moi. T'es vraiment adorable. Je crois qu'on peut devenir amis. Bah oui. Je suis pas habitué, comme je vous ai dit, à ça. Hein, mais du coup, tu oublieras pas de dire à mes parents s'ils te redemandent qu'on se connaît du club de théâtre. Hein. Oui, j'ai entendu. Oui, j'en ai parlé. J'ai essayé de raconter un peu l'histoire à Madame Darcy, qui est vraiment sympa aussi. J'espère que oui, elle est très gentille. Ça n'aura pas créé des problèmes avec son fils. Il a raison en plus. Non. J'aurais pu le défendre et lui dire que moi aussi j'avais des trucs bizarres avec Pourquoi les pigeons. Pourquoi tu l'as pas dit? Parce qu'il est trop méchant. Ouais, mais bon, faut pas. Tu sais, des fois, il faut pas être comme les gens sont. Essayer de oui, mais moi j'ai rien fait de méchant, j'ai juste pas parlé. J'avais mais qu'est-ce qui t'a fait de nourriture dans ma bouche. Qu'est-ce qui t'a fait de spécial pour. Bah, il me harcèle tout le temps, il dit que je suis bizarre et que je mérite pas d'être sur Terre, ouais, que il en a marre que je vienne chez lui. C'est Charlie, que j'ai vole sa mère. J'ai l'expérience un peu des garçons, peut-être plus que toi, je pense qu'il a le béguin pour toi. Non. Je pense que si, Charlie. J'ai regardé bah ses regards. Non. En plus, t'as vu sa tête. Ouais, il est mignon. Oh non. Bon, je te le laisse alors. Hein. Peut-être que t'es amoureuse aussi, toi, Charlie. Sans le savoir. Non, moi, je m'en fiche de ça pour l'instant. T'es sûr? Oui. Ouais. Et du coup, vous discutez une bonne partie de la nuit. Vous faites connaissance, tu vois. Ouais, tu sens une. Vous avez quand même pas mal de points communs. C'est une fille qui est très sensible, qui voit que sa sœur lui manque vraiment énormément. T'adores son chien qui est très câlin aussi. Et voilà, vous faites des jeux, vous voyez pas trop la nuit passer, vous continuez à apprendre à vous connaître. Et du coup, bah, votre première partie s'achève ici. Voilà. Donc, on n'aura pas mangé de pigeon. C'est quand qu'on rejoue? Bah, je sais pas, ça va dépendre de vos agendas à tous. Hein. Mais je voudrais déjà savoir ce que vous en avez pensé. Parce que ça change quand même de beaucoup de choses qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Et en plus, j'ai essayé de tirer un max sur ces séances, comme on appelle, avec un maximum de RP. Même s'il y a des trucs, c'est pas nécessaire. Mais c'est plus pour rentrer dans vos personnages et de vous montrer un peu cette façon de faire qui est pour moi très intéressante. On n'a pas vraiment l'habitude. Après, il y avait pas mal de trucs à faire avec les jets de dés que je n'ai pas fait, justement pour pas casser ce truc-là. C'était pas nécessaire. J'en ai fait quelques-uns, mais voilà. C'est à vous de me dire comment vous avez un peu perçu cette première expérience. Bah moi j'ai bien aimé. Enfin, c'était vraiment RP là, donc comme tu as dit, pas trop de jets et tout, donc ça a permis bien de se lancer dans le truc. Ouais. Ouais. Donc moi j'ai bien aimé. D'accord. Et je pense qu'on prend nos marques pour le moment avec nos persos et puis même les liens quoi. Oui, c'est ça. Ça joue aussi sur le fait de un peu connaître, voir comment vous vivez avec vos personnages. Après, normalement, le scénario. Normalement, il devrait finir, comme je vous avais dit, ce serait 2-3 séances. Ça va pas te suffire, je pense. Hein, hein? Ça va. Mais ça après, il y a moyen que je retravaille un scénario et que vous gardiez ces mêmes personnages pour en faire à la suite, mais ce sera plus tard, quoi. Il faudra aussi que je travaille sur les. Et tu travailles différemment les scénarios pour ce genre de jeu, en fait. Parce que vous voyez vraiment que c'est en mode bac à sable. Vous choisissez vraiment où vous devez aller. J'essaie de vous aiguiller. Vous avez des indices sur des trucs. Il y a pas mal de choses que vous n'avez pas faites, hein, aussi. Peut-être vous ferez à la prochaine séance. Mais du coup, par exemple, là, on va finir tout
le scénario et quand on passera un autre scénario, on aura pris un an du coup ou pas? Non. Vous allez prendre des stats. Normalement, vous allez gagner des stats. Vous allez prendre un niveau où je sais même pas, ça s'explique pas trop en niveau. Mais vous allez gagner des stats à répartir suivant comment vous finissez le scénario. Parce qu'il y a, en fait, il y a plusieurs choses que vous devez réussir. Il y a différentes choses et plus vous aurez de choses que vous allez débloquer, plus vous aurez des capacités en plus. En fait. D'accord. Après, moi, je sais pas à ce que vous vous attendiez en jouant à Tales from the Loop, si c'était plus ça ou s'il y avait des trucs peut-être qui manquaient. Faut pas hésiter à me dire. Mais c'est normal, hein, c'est une première partie. Même pour moi en tant que MJ, j'essaye de justement coller un peu les trucs. C'est pas évident, à maîtriser, c'est pas évident parce qu'il faut vraiment répondre du tac au tac, quoi. Il y a beaucoup d'impro, quoi. Mais, bon, après, franchement, je trouve pas que t'aies de soucis avec ça. Au contraire, le côté narration et le côté impro. T'es super à l'aise, on le sent, c'est fluide, etc. Là, je pense que c'est juste la méthode des cartes et tout. Juste, t'es pas encore habitué, quoi. Donc, c'est légèrement moins fluide, mais franchement, c'est pas. Donc, les cartes sur Roll20. Oui, toute la partie technique. Oui, c'est vrai que j'avais fait. C'est juste que t'as pas encore ta petite routine, je pense. Oui, comme tu peux l'avoir sur D&D. Ouais, j'avais mis beaucoup de cartes et du coup, il y a tellement de textes en fait. Il y a tellement de textes où je regarde et je prends vachement de temps sur le texte que du coup, je peux pas être partout. Même le son, hein, vous avez vu, le son, je peux pas. C'est pas dérangeant. Franchement, j'étais des playlists et en plus, je coupais le son, moi, tu vois. Parce que. J'avais besoin vraiment de voir le scénario où vous en étiez et faire des plans au fur et à mesure pour savoir comment vous avanciez, si là vous pouvez y aller parce que vous n'êtes pas allé voir ça avant. Donc il y a quand même pas mal de choses encore que vous n'avez pas faites. Et oui, ça peut durer deux voire trois encore une ou deux séances. Ça va dépendre de comment ça se passe. Mais vous avez quand même bien avancé au niveau de l'intrigue. Il y a pas mal de choses que vous avez débloquées. Vous avez quelques indices, mais il y a aussi ce truc dans vos vies à chacun de vous qui est pour moi excellent, c'est qu'on appelle les séances, et qui fait que là, ça va peut-être vous bloquer aussi. Il va falloir trouver des subterfuges pour que Amanda et Laïa puissent sortir parce qu'elles risquent d'être punies. Charlie va voir ses parents. Il y a un plan d'extraction là. Hein. Donc il y a pas mal de trucs à prévoir différents. Et ça rentre, ça rentre dans ce qu'on appelle ces séances là. Donc voilà. Les séances, moi je t'avoue que c'est vraiment la meilleure partie de JDR en vrai. Ouais. C'est genre vraiment les moments de drama, genre je suis là, oh mon dieu! Genre la session de Charlie, là, elle m'a. Ah par rapport à genre, quoi je pouvais... Avec les parents qui l'appellent. En fait, ouais, mais je relate beaucoup donc. Ouais. Je crois que c'est vraiment une thérapie ce truc en fait. Ouais, je pense mais que c'est. Mais tu sais quoi, mais là vraiment c'est ma petite fille d'enfant de moi. Oui, j'ai senti. Qui parlait, là. Mais oui, mais j'ai senti. Mais il faut. Ah ouais, mais. Faut pas non plus jouer. Vous jouez comme vous avez envie de jouer. Je vais pas vous obliger. C'est pas dérangeant, je n'ai pas le mal vécu, ce que je veux dire, tu vois. Moi je veux pas que ça vous. Faut me le dire si c'est. Mais je rentre pas dans ce truc là. C'est vous, en fait, disait Guido, c'est vous qui créez ça, votre mini-moi. Donc, il n'y a pas de vengeance à avoir, si vous voulez, ou je sais pas comment vous... Non. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est hyper... En fait, pour moi, c'est hyper drama, c'est hyper crédible. Hein. Moi, j'étais là, en mode... Ouais, c'est marrant, ce côté. Alors, c'est effectivement, c'est amusant qu'on retombe, effectivement, un petit peu en enfance. Mais l'intérêt aussi, c'est de jouer un gamin un petit peu différent à la fin. Ouais. C'est-à-dire que. Sinon, c'est pas du roleplay, parce que c'est... on sait jouer soi-même. Ouais. C'est plus de l'autobiographie que. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais... Alors, je vous rassure, j'étais pas une chialeuse comme ça. Ouais, ça m'a fait délirer aussi. Ah, elle voulait son bisou, son papa, là. Ouais, c'est... Le perso chialait pendant que le joueur rigolait. Ouais, c'est ça, c'était... C'est trop rire. J'étais amusé à pleurer. Ah, ouais. Je te jure, ça m'a trop éclaté de faire ça.
Non, c'était énorme, ouais. Il y a eu pas mal de scènes quand même qui avaient rien à voir avec le scénario, mais qui ont été vraiment énormes. À la fin, il faut un petit peu faire du rôle de composition, quoi, quand même. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu composer quelque chose de nouveau que ce qu'on était quand on était jeune. Ouais. Bah ouais, trouver un peu... Hein. Mais je pense que c'est une aide, putain, c'est une super aide pour apprendre le RP, quoi. Moi, jeu, hein. Là, franchement, je joue pas du tout ce que j'étais quand j'étais petite. Donc là, pour le coup, c'est vraiment genre défi de faire autre chose. Moi, je suis un petit peu surpris parce qu'en fait, j'avais fait une partie de Tales from the Loop et c'était plus classique une forme de jeu de rôle plus classique parce qu'on vécu une aventure de gamin mais moi aussi ouais tout de suite plongé dans une énigme avec plein de trucs. Là on est resté je dirais à plus de 50%, on était dans le perso là. Vous savez comment je maîtrise. Pour moi c'est comme ça que j'aime faire le JDR, c'est vraiment que vous incarnez le personnage. J'ai fait partie de Tales from the Loop, oui il y avait le... Mais j'estime qu'en fait, en le jouant comme ça, ça apporte un plus après à l'enquête, au truc. Vraiment, tu rentres, même si ça prend plus de temps, je trouve ça plus intéressant. Après, t'es dans ton personnage. Il a vécu ça, t'as fait ça. Et je trouve ça plus intéressant. Je suis un petit peu impatient qu'on soit confronté à l'étrange, quoi, de... Bah oui, parce que. Il se passe quelque chose avec les oiseaux, quoi. On est resté assez loin de ce qui se passe. Enfin, on a vu ça, vu deux, trois scènes avec les oiseaux, mais bon. C'est comme Cthulhu, ça vient progressivement. Pour moi, on est sur l'intro, là. Oui, c'est un peu l'intro, mais ça vient progressivement, même si vous avez vu quand même des trucs. Vous commencez à pour des enfants, c'est choquant déjà, je veux dire, quand même. Bah oui. Ah, ça fait peur, clair. Oui. Il y a quand même une meuf qui s'est fait tuer, enfin. Oui. Ah ouais. Je vais le rappeler. Par contre, moi, j'ai eu un peu peur que Céline, elle le prenne un peu mal ou qu'elle soit pas très contente que j'ai ramené quelqu'un. Après, je me suis dit, non, normalement, elle a pitié de moi, c'est la gentille voisine qui s'occupe de moi et tout, donc ça devrait passer. Au pire, je ferai ma petite fille triste et ça passera. Oui, non, mais ça, comme tu me l'avais décrit, c'était elle n'allait pas. Elle sait très bien que tu vis seule, que c'est la galère, voilà. Elle a clairement pitié. C'est pas la première fois que tu ramènes quelqu'un chez toi, voilà. Tu vis toute seule à ton âge, c'est quand même dramatique, hein, quand même. C'est sûr que c'est un côté. Tu peux en vouloir à tes parents, te laisser comme ça, c'est pas normal, quoi. Surtout quand ils viennent me faire chier derrière parce qu'ils connaissent pas ma nouvelle pote alors que ça fait un mois que je les ai pas vus. Hein. Oui, mais après, t'es plus proche quand même de ta mère que de ton père. Ta mère essaye vraiment de... Vous avez quand même beaucoup plus de points communs avec ta mère que... Voilà. Ton père est toujours quand même inquiet et bon, c'est quand même à cause de lui que... qui se retrouve un peu à droite à gauche et en fait il veut que ta mère le suive mais toi tu restes là, donc c'est quand même il y a tous vos backgrounds, c'est vous qui avez créé tout ça. Après moi j'ai rien créé, j'ai suivi un peu vos histoires, donc si je vous fais travailler un background, une histoire, et que quand je fais les scénarios je m'en sers pas, c'est pas la peine de vous faire ça, hein. Donc le but c'est ça, c'est si je vous ai demandé de faire ça, c'est pour pouvoir arriver à faire ça. Donc enfin, je sais pas si je me fais comprendre. Du coup on est tous tes petits poussins, t'es notre maman canard à tous là. Je suis le gourou moi, je suis le gourou cœur caramel mou. Voilà. Bon, je laisse, moi je vais aller me pager. Moi aussi, ça marche. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Bonne nuit. À très vite. Salut.